Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Yeah. Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu de Dragon Ball Legends. Deux sujets à traiter dans cette vidéo, bien évidemment, nous allons aller tester le Gotenks SSJ3 que l'on a chopé lors de mes dernières invocations en live avec vous et avec lui dans une team fusion, ça fait très très mal, on verra ça en PVP tout à l'heure, mais juste avant ça, le premier sujet de cette vidéo, on va parler du nouveau Goku qui va arriver en partenariat avec le jeu Dragon Ball Z Kakaroto. Et oui, le jeu DBZ Kakaroto, et bien ça y est, il y a eu un partenariat de signé avec Dragon Ball Legends, vous le savez très bien, il l'avait déjà fait auparavant avec le jeu Dragon Ball Fighters et la fameuse C21 qui est arrivée. C21 était un personnage free to play, nous avions également la C21 maléfique qui était à avoir lors des invocations, lors des tirs, et qui était vraiment très très puissante. Et bien là, il en va de même, ce nouveau Goku. Donc là, je suis sur le Twitter officiel, comme vous pouvez le voir, de Dragon Ball Legends, le Twitter officiel japonais, qui ont fait cette annonce. Alors attention, c'est du Google Traduction, donc je vous laisse lire, mais au cas où, voilà, je vais vous expliquer en quoi cela consiste. Il va y avoir un Goku free to play, gratuit, farmable, avec un nouvel event qui arrive à partir de demain, mardi 28 avril. Voilà, ça c'était déjà la première chose. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir également un Goku à avoir dans les invocations, dans les tirages? Il y a de fortes chances que ça arrive, oui, qu'on ait deux Goku, donc celui free to play et également un autre lors des invocations, qui sera sans doute très puissant. On le savait très bien, on l'avait vu avec C21 maléfique, ça cognait dur. Maintenant, nous allons regarder le gameplay. Let's go. Ok, concentration de qui face à Raditz. Regardez, regardez les téléportations. Je kiffe, ça tape, ça téléporte. Et en plus, il a évanoui l'adversaire. Il a évanoui l'adversaire, les gars. Ok, on recharge encore le clip. Le caméra. Et bim, il est mort. Et là, il repart sur son nuage magique, comme la jaquette du jeu des DBZ Kakaroto. On va re-regarder, regardez bien. On analyse. Moi, c'est les coups, les strikes qui sont énormes avec la téléportation. Téléportation, 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 évanoui. Incroyable. Ça... ça risque de faire très très mal en PVP, les gars. Ça risque de faire très très mal en PVP. C'est vraiment très fun. Encore bien travaillé de la part de Bandai Namco et Dimps. Je rappelle également que les DLC sur le jeu Dragon Ball Z Kakarot seront dispo aussi à partir de demain, mardi 28 avril. Les DLC avec l'arrivée de Beerus, de Whis, de Goku Super Saiyan God et de Vegeta Super Saiyan God. Donc, on fera un live dessus dès demain. Activez la cloche si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater cette notification. On ira découvrir cette histoire ensemble. À présent, il est temps d'aller tester ce fameux Gotenks Transfo SSJ3 avec ma team fusion. Vous le savez très bien, j'ai le Végéto élève, j'ai la Kefla qui est 7 étoiles qui frappe extrêmement fort. Et à présent, on a le petit Gotenks en 3 étoiles. Donc je le rappelle, c'est vraiment très important de l'avoir 3 étoiles tout simplement pour sa capacité Z. Quand il est 2 étoiles, il booste de 28% eh bien, les coups de poing, les cartes strike que pour la classe Saiyan Métis. Et quand il est 3 étoiles, eh bien, il booste également de 28% la classe des guerriers fusion. Donc c'était bien pour cela que j'ai absolument voulu l'avoir 3 étoiles. Et là, les gars, c'est indispensable de l'avoir dans une team fusion. Surtout si vous avez Kefla. Kefla, on le sait, son point fort, c'est les strikes, c'est l'attaque. Et bien là, avec le Gotenks, ça augmente encore de 28% les strikes, par exemple, de Kefla. C'est un truc de ouf. Il y a également la transformation de la dernière chance. Donc quand il se transforme en Super Saiyajin 3... ça dure 40 secondes et ça régénère le ki de 50, la condition d'utilisation après 5 secondes. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. En transfo, ça risque de faire vraiment très très mal. Pouvoir de fusion époustouflant une fois entré en scène, les effets suivants s'activent. Donc c'est-à-dire augmente de 30% les dégâts infligés pendant 15 secondes, réduit de 5 le coût des arts physiques pendant 15 secondes. Donc les cartes strike, hein, les coups de poing. Et ensuite, confiance en soi débordante lorsqu'une attaque d'art physique ou d'énergie touche l'adversaire, les effets suivants s'activent, réduit le ki de l'ennemi de 15, donc ça c'est vraiment plutôt bien, comme ça tu vois ton adversaire il a du mal à récupérer du ki, inflige à l'adversaire un malus de stats, augmente de 20% les dégâts physiques qu'il subit pendant 5 secondes. Ça aussi, franchement, ça fait vraiment très mal. Donc il a vraiment une très belle carte, j'ai hâte de découvrir ça avec vous lors de
combat en PVP. On va aller voir ça tout de suite. En tout cas, avec la Team Fusion, elle est plutôt pas mal. Dommage que je n'ai pas le Végéto Transfo de type jaune, parce que je l'aurais bien remplacé par le Gotenks de type jaune également. Mais malheureusement, il est toujours pas là, il veut pas venir. J'espère qu'un jour, tu viendras, Végéto. Donc, un adversaire avec une Team Fusion encore. On en voit beaucoup des Team Fusion. On va partir sur Kefla, Végéto et le Gotenks. Let's go, on va voir ce que ça va donner. Ah, le pseudo du mec, Covid-19, quoi. Ah ouais, il y en a, ils blaguent pas, quoi. Il y en a, ils se prennent vraiment pour... Ok, Covid-19. Bah, moi, je vais te montrer que moi, je peux te le soigner, moi, le Covid-19. Je vais te montrer, moi. Allez, on va se concentrer, on va le fumer. Bien, wesh. Ouais, ok. Ok. Maintenant, au Gotenks. Voilà. On va régénérer le ki. Bim, transformation. Petite boule de ki là, histoire qu'il switch. Voilà, c'est parti. Let's go. On va lui arracher son Gotenks à lui. Oh là là, regardez les dégâts. Je m'étais foiré en plus, ça avait lagué un peu. Mais ça passe. Le Gotenks a fait très 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 mal. Très très mal. C'est incroyable, les dégâts qu'il fait. Let's go, Rising Rush direct sur le Végéto. Franchement, Gotenks, il a fait des dégâts monstres, là. Il a déboîté les persos du mec, là. C'est ouf, c'est ouf. Tu mets ça, tu mets Kefla, les deux, ils te font un travail monstre. Ok. Ok. Oh, je croyais qu'il avait déjà fait son esquive. Je pensais pas. Ah d'accord, il m'a étourdi, super. Super. Ok. Ok, ça lag. Super. Super. Encore un mec... Putain. Voilà, ça lag. Voilà. Voilà les gars. Ça, c'est en PVP, ça. Tu vois? Le mec, il voit qu'il prend le bouillon. Bah, du coup, voilà. Tu vois? Mais c'est un truc de fou. Franchement, faut faire quelque chose. Sur tous ces tricheurs, tout ça, faut les ban. Faut les ban. Le gars, il prend l'eau, il prend le bouillon. Donc, du coup, voilà. Et en plus, son pseudo, on le rappelle, c'est Covid-19. Ah bah pour le coup, c'est vrai que t'es un virus, frère, sur le jeu. Dégage du jeu, frère. Dégage du jeu, regarde. Tout est bloqué. Tout est bloqué. Je sais même pas ce que ça va donner, ce combat. C'est un truc de ouf. Voilà. On lui a arraché sa team. Clairement, mon Gotenks, il est full life. J'ai encore le Végéto. J'ai encore mon Legendary Finish, tu vois, avec le Végéto. Il savait très bien que là, il prenait le bouillon. Voilà. Il a bloqué le jeu. Clairement, il a bloqué le jeu. C'est un truc de fou. Franchement, c'est un truc de ouf. Allez, mange ton LF. Tu l'as mérité, ton LF. Legendary Finish. Legendary Finish, nous ! Sur le Covid-19, là. Vas-y, mange, mange. Mange-le, ton LF. Mange-le, ton LF, frère. Toi, tu l'as mérité sévère. Tu l'as mérité sévère. En tout cas, on notera que Gotenks SSJ3, il a fait vraiment très très mal. Très très mal. Et on va combattre contre Emmanuel. À nous deux, Emmanuel. Allez, c'est parti. Ok.
Ok, ça marche. Allez, let's go. Oh, ça lag. Oh là là, ça lag. Allez. Oh là là, ouais, mais ça lag de ouf. Ok. C'est dur. C'est dur. Ah, il m'a battu là-dessus. Il m'a battu là-dessus. Oh là 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 là, les lags. Les gars, il vous faut des vraies connexions là. C'est injouable quand c'est comme ça. Regarde, regarde. C'est injouable. Allez. On lance le Rising Rush direct sur Kefla. On va pas se casser le crâne. Surtout avec une connexion comme la sienne. Voilà, on frappe direct la Kefla. Ça passe. Bim. Ok. Bon, normalement, elle est morte. Parfait. Hop, la Kefla déjà, ça dégage. Ça déjà, c'est pas mal. Ok. Regardez ça, comment ça lag. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Ça y est, t'as fini? Ok, let's go. Allez. C'est parti pour le Gotenks. Transformation. Allez, vas-y, va frapper maintenant. Va frapper, mon petit. Ok, regardez les dégâts. Ok, la moitié de la vie déjà pour Vegito. Ok, c'est parti. Ok, on continue. Le Végéton, on va le faire sauter. Ah, bien wesh. Il a mis le contre-type. Voilà, on passe à travers les blasts, nous. Et oui, monsieur. Et oui, monsieur. Voilà, ça c'est bon. Allez. Let's go. Bim. Kefla. Pam. Pam. Étourdis-le. Ça serait plutôt pas mal, hein, s'il est évanoui. Non, elle l'a pas évanoui, c'est pas grave. Et le Gotenks qui termine le travail. Bon, on a vu que le Gotenks, c'est très puissant. Sur les strikes, franchement, ça fait vraiment très très mal. Dommage que voilà, la connexion laguait un peu. Ça, c'est vraiment dommage. Voilà déjà pour vous montrer un peu le Gotenks 3 étoiles. Franchement, les gars, bah, si vous l'avez, au moins 2 étoiles. Mettez-le 3 étoiles pour avoir la capacité des classes guerriers fusionnées qui vient up votre team fusion. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouvera très prochainement pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Lâchez-moi un beau pouce bleu pour le soutien. Abonnez-vous à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. Sur ce, les amis, je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Eh hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane le Geek, ça a l'air super! Non, 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 non! Yeah!